and help us this morning. Come and help us this morning. Sweet Holy Spirit. Holy Spirit, nothing we can do. You are our helper. Come and help us. Come and help us. Come and lead us into all truth. Come and lead us, hallelujah. Come and hold our hands. Come and hold our hands. Holy Spirit of God, come and sustain us this morning. We need you more. We need you more. We need you more. We need you more. Take your place in this house. Take your place in this house. Take your place in our heart. Take your place in this service this morning. Oh, sweet Holy Spirit. Oh, the Spirit of the Most High God. The Spirit of the Living God. Come and have your way. Come and have your way in this place. Come and have your way in this service. Come and have your way in this house. Come and have your way in our heart. Come and have your way in our mind. Come and have your way, Holy Spirit of God. Come and have your way. Take total control. Take total control. Holy Spirit of God. Take total control, Papa. Take total control. Take total control, our help. Take total control. 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 In Jesus' mighty name we have prayed. Whatever you are, begin to take authority over all the power of the enemy, over all the power of darkness against this service this morning. Begin to take authority. Hallelujah. Jesus have given us authority. Hallelujah. Jesus said, I have given you authority to trample upon serpent and scorpion. Hallelujah. And to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Nothing will harm us, church. Hallelujah. Yes, Jesus has given us that authority. Stand wherever you are. Begin to take authority over the power of darkness, over the power of destruction, over the power of confusion, over the power of the enemy. Begin to take authority right now in Jesus' mighty name. Oh God Almighty Father, I pray in the name of Jesus Christ. I stand with the authority of Jesus Christ. You enemy, the enemy of destruction, you enemy of confusion, in this service this morning, we command you to leave right now. Leave right now in the mighty name of Jesus Christ. Any spirit that is no, that does not glorify the name of Jesus in this house, we command. We command you out of this place right now in the name of Jesus Christ. Right now in the name of Jesus Christ, we command you back to your belong and live right now. Back to your belong and live right now in the name of Jesus Christ. The spirit of confusion, the spirit of trouble with the neighbors, we command you out of this place, out of this house, out in the name of Jesus Christ, out in the name of Jesus Christ, in Jesus mighty name we have prayed. Begin to soak this house in the blood of Jesus Christ. Begin to soak all the children in the blood of Jesus Christ. And begin to soak yourself, hallelujah, the preacher, the moderator, the choir, everybody in this house, begin to soak them. The whole house, the whole compound, the whole area, begin to soak it in the blood of Jesus Christ. Oh God Almighty Father, we soak this house in the blood of Jesus Christ. We soak this house in the blood of Jesus Christ. We soak our children in the blood of Jesus Christ. We soak the preacher, the moderator, the choir, in the blood of Jesus Christ. We soak all the instruments in the blood of Jesus Christ. All the chairs in the blood of Jesus Christ. We soak all the compound in the blood of Jesus Christ. We soak the whole area in the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. Speak on our behalf this morning. Speak on our behalf this morning. In the name of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. Speak, speak, speak on our behalf this morning. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah.
Through generation. Hallelujah. So people of God, we gather here for the glory of God. When we gather like this, we see how marvelous our God is. We see how great our God is. We see how love He is. As the Bible says, enter in His gate with God thanksgiving, with the heart of love. So people of God, when we gather like this, it's for the love of God. So I want you to recognize how marvelous it is. It keeps you, it keeps your family, it protects you in everything that you are doing from Monday to this Sunday. So this morning, you need to be in His presence with love. We need to be in this place with thanksgiving because He's our God, He's our provider. People of God, when we meet like this, I always see His greatness, I always see His marvelous, I always see His protection. So many things happen, people of God. I can describe it and again. There's so many, but if we meet here, we see His glory. As I'm saying right now, people are crying, people are in the hospital, people are suffering. So many sickness, so many things happen. People of God, when you see all those stuff, and then you will find yourself in presence of God with peace, with power, no sickness, no problem. You need to glorify Him. You need to see that His love is endure forever. So people of God, this morning, I want to invite you to lift up your voice to start thanking this God. You say, Lord, I thank you. I thank for your love because your love is still continue for generation and generation. I thank for your love, you never stop upon my life. I thank for your love because keep following everywhere I'm going. So people of God, lift up your voice and start thanking God for His protection from everything in the name of Jesus Christ. I want us to praise right now. Let's pray in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Lord, we thank you. We glorify you this morning, our God. We thank you for your love, O God Almighty. We thank you because Jehovah God, we cannot live without you, O God. Father, we give us the chance to meet in your presence this morning because you are our God, O Messiah. Father, we glorify you. We say thank you, O Jehovah. Thank you for your protection, O God. Thank you for your love, O Messiah. Because we know your love can never stop unto us, O God. In our lives, in our children, everything you are doing, O God. We always see your love, O Messiah. Lord, we gather here because of your love, O God. Father, we glorify you. We say thank you, O Jehovah. Thank you to protect us, O God. Thank you to be with us, O Jehovah. Thank you to be our children, O God Almighty. Without you, you are nothing, O Messiah. That's why we thank you this morning, O God. We glorify you, O Messiah. We lift up your name higher, O God. There's no other God like you, O God. You remain God forever. You are the creator and creator, O God. That's why we bless you this morning. That's why we elevate your holy name, O God. We say thank you, O Jehovah. Thank you for everything you do, oh God Almighty. If we gather like this in your presence, oh God, it's not because you are too special, oh God, because of your love, oh Messiah. When other people are crying right now, other people are suffering right now, but us, Messiah, we gather in your presence. We say thank you, oh Jehovah. Thank you for everything that you have done to our life, oh God. Thank you to allow us to be in your presence this morning. We elevate your holy name, oh Jehovah. We glorify you, Almighty God. We glorify you, the King of the King. We glorify you, O Jehovah. We elevate you, O Messiah. Hallelujah to your holy name, O God. This morning is all about worship you, O God. We say thank you, O Messiah. Thank you, Jehovah God. Thank you, Almighty God. We bless you and glorify you. Thank you, Jesus. Jesus.
powerful in this place. Come on, let's voice whatever you are. This place you are. Holy Spirit, have a way you are coming this morning. There's no one like you, Holy Spirit. We need you to have a way in this place. We invite you, Spirit of Living God. We invite you in this place, God. There's no one like you, Holy Spirit. Come on, have a way in this place. That's how to run this place, Holy Spirit. Take full control of this place. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Ghost. We need you to take mercy in you. We need you, Lord Jehovah. Into our mind, we need you, Holy Spirit. Take all of our rights now in the morning. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, we need the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. We need you in this place, Lord God. Who can be like the Holy Spirit? Who can offer to you, Holy Ghost? We need the Lord God Almighty. We need you to take full control. This one we come before you, Lord God. You have ourselves to you, Lord God. Take total control in this place, Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Hallelujah. You are God. Our mind, God, all the way into our soul, God.
God has given you. They'll wake up every morning. God is going to come back. You can
Come on, raise your voice, whatever you are this morning, and worship this King of Kings in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You worship me, oh God. You are a great God, oh Messiah. You so wonderful into our life. Oh Father, we bless your name and glorify you, oh God. Yahweh, your name is holy, oh God. You so marvelous, oh God. Hallelujah. 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 Baba wa mbinguni hakuna kama wewe.
Jesus. Thank you, oh Jehovah. Thank you, oh Messiah. Thank you, the King of Kings. Thank you, the Lord of the Lord, oh Messiah. This one we come to worship you, oh God. We elevate your holy name, oh Messiah. We shall be glorified forever, oh God. Be glorified, oh Jehovah. Let the honor be to you, oh God Almighty. We can be like you, oh Jehovah. We bless you, God, because you are our God, oh Messiah. Let your name be lifted higher. Thank you, Almighty God, oh Jehovah. Remain God forever. Remain our God forever. In the mighty name of Jesus, oh God, we praise and worship your holy name, oh God. We say thank you, our God, to allow us, oh Jehovah, to gather in this blessed this morning, oh God. In the name of Jesus, hallelujah to holy name. Hallelujah. Thank you, Jehovah. Thank you, Messiah. Hallelujah. Church, this morning, as the Bible said, enter in each gate with thanksgiving and open heart. People of God, we gather here because of the glory of God. I want you to open up your voice right now to acknowledge and recognize the greatness of God into your life. Especially this hard time, I want you to say, God, you are there for me all the time, not all the minute, all the time. So people of God, the place you are right now, lift up your voice and worship this God. You have 1 minute in the name of Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we God, because you're an almighty God. We say thank you, Lord God. Thank you, almighty God. Thank you, Lord. Thank you, Messiah. Because you are Yahweh. You are the great God. Hallelujah. The Shema, God. We worship you, God. We give you glory. We give you that adoration this morning, God. We love it, Lord. In the name of God, we say thank you, almighty God. Yahweh, your name is Ali. Yahweh, your name is wonderful, God. Lord, we bless you and glorify you, oh Messiah. Hallelujah to your holy name, oh Jehovah. Who can be like you, oh Messiah? Who can compare to your greatness, oh Father? But now we say thank you, oh Messiah. Thank you for the love and kind, oh God. Thank you for everything that you've done into our lives. Thank you, oh Messiah, for this morning, oh God. Thanks to allow us to gather in your presence, oh God. Thank you for this privilege, oh Jehovah God. Many people wanted this privilege, they don't have it, oh God. But you give us, oh God, to us, Lord. And so many people, that's why we said, thank you, oh Messiah. Thank you, Almighty God. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Yahweh. Thank you, Messiah. Hallelujah to all the name, oh God. We said, thank you, Jehovah. Thank you for everything, oh God. Thank you for the life we give us, oh God. Lord, we bless you, we glorify you. We said, thank you, oh Messiah. Thank you, Jehovah. Thank you, the King of Kings. Thank you, our Lord. Thank you, our Creator. Thank you, oh Messiah. Hallelujah to all the name this morning. Father, I glorify you. I said, thank you, oh Messiah. We Lord, oh God, Jehovah. We glorify, oh God. Be elevated high in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless your name, oh God, this morning. Hallelujah, Almighty God. We need your love, Lord. Who can be like you, oh Messiah? We stand together right in this place, oh God. In the name of Jesus, oh God, we need you, oh God, yes. Thank you, oh God. Church, the place you are right now, I want you to give back the power of the Holy Spirit. Say, Holy Spirit, come out of control. Holy Spirit, take over right now. Holy Spirit, operate in my life right now. Holy Spirit, operate in me. Holy Spirit, operate in everything this morning, church. Without the power of the Holy Spirit, you cannot be listening to the word of God. Without the power of the Holy Spirit, you cannot be congregation. That's why I want the place you are. Invite the power of the Holy Spirit to start taking control right now. Hallelujah. Holy Ghost, take over right now. Holy Spirit, we need you in this place right now. Come and take total control. In the name of Jesus, take full control in this place right now. As I direct this place right now, in the mighty name of Jesus. Holy Ghost, we need you. Holy Ghost, we need you. Start operating right now. Operate in our heart right now. Operate in our life right now. Operate in this place right now. In the name of Jesus, take over Holy Spirit. Take over Holy Spirit. Take over Holy Spirit. Overshadow this place. Church, invite the power of the Holy Spirit to ask Him to operate in your life. Open up your heart as you're ready to enter. Oh, Shiloh, we need you. Who can be like you this morning, oh God? Holy Spirit, this is your moment, we need you. Holy Ghost, this is your moment, we need you. Take over this place, Holy Spirit. Take over right now, my Lord. Take over us right now, God. Take over right now, Holy Spirit. Start operating in us, Holy Spirit. We know we're not, Holy Spirit. So we can't do this. Father, we know we're operating, God.
You set the mind free, oh God. You set the heart free, oh God. We need the Holy Spirit, oh God, oh God. Start operating into our life, oh God. Start operating into our mind. In the mighty name of Jesus. Holy Spirit, liberate right now, oh God. Set free right now. Set that free right now in this place, oh God. Spirit of the God, we need you. Spirit of the God, we need you. Spirit of the God, we need you. Take that to control for heart right now. Take over our mind right now. This morning, oh God, Almighty, we let the Holy Spirit see us. We let the Holy Spirit see us. Be that Holy Spirit, you are not from my God. We pray because you are the Holy Ghost. We need you, Holy Ghost. We need you to touch what's not. We need you to open what's not. Everything is not blessed in this place, my God. We believe when you come down, oh God. They cannot stand in this place, my God. They cannot stand in this place, oh God. That's the important we need the Holy Ghost this place. Hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit. This is your moment, Holy Ghost. This is your moment, Holy Spirit. This is your moment, Holy Spirit. This is your moment, Holy Spirit. Operate with me, Jesus. Mama, Kayalosh, Karabosa. Oh, Jehovah. You need the Holy Spirit. Yamabosh. Hallelujah. Hallelujah, Holy Ghost. Hallelujah, Holy Spirit. Start operating in this place, oh God. Hallelujah. Hallelujah. I declare a declaration, please, oh God. In the mighty name of Jesus of Nazareth, oh God. We know when you come down, oh God. You come and set free the mind, oh God. You come and set free the heart, oh God. You bring us in the level that we can listen to you, oh God. You bring us in the level that you want us to be. This morning, oh God Almighty, I need you to bring us in the level you want us to be, oh God. I need you to bring us in the city you want us to be, oh God. Father, we know we got our ears on for you and name of the Lord Jesus. That's why we need the Holy Spirit to start operating right now. In the name of Jesus, hallelujah. Oh, Jehovah. Hallelujah. Hallelujah. Just call upon the Holy Spirit. Call him to operate in your life right now. Call him to start manifesting your life right now. Open your eyes so he can enter right now. Everything that is not of God, when he starts operating, they'll start living right now. Call him right now. Open your heart right now. Open your mind right now. Let him fight to enter through you right now. Let him control you right now. Let him take you to the place where he want to take you in this present. Hallelujah, people of God. Do not back yourself. Do not block yourself. Open up your heart right now. Receive him this morning in the name of Jesus. Operate right now. Hallelujah. Operate, Holy Ghost. Operate, Holy Spirit. Oh, Shiva. We bless you, glorify you. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus loves us. Thank you, Jesus. We cannot tell why. Yes, he loves us. We cannot tell why. Oh, Calvary tree. Oh, he suffered for us. Yes, he loves us. We
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Almighty God. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Holy Spirit. We glorify you in this place. Thank you, Almighty God. Thank you, Jesus, for your presence in this place. We honor you. We elevated you. We say thank you. Thank you to be among us this place. Thank you, our God. There's no one like you. You remain our God forever and forever. Thank you for this morning, oh God, to allow us to gather together in your presence. Even though some challenging, oh God, but you're still faithful for us, oh God. You're still allowed to give us the strength to gather together like this. Father, I glorify you. I thank you, Almighty God, because your love, oh God, is endure forever, generation and generation. We thank you, oh God, and elevate your name, because you are the King of glory. You are the King of the King. You are the Lord of the Lord. Can people say glory to God and clap for the Almighty God? Can you clap for the Almighty God in this place? Can you clap for the King of the King? Can you clap for Jesus? Hallelujah. Can you stand up all of us? Those who are sitting down. Can you stand up for the glory of God? Can you stand up for the name of our Lord Jesus? And shout Jesus! One more time, Jesus! Can you clap for him now? Can you clap for Jesus? Can you clap for Jesus? Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, church. Amen. Amen. We thank you, God, this morning. Amen. We know it's not easy after coming in two bad challenging that we have these 2 weeks and then we meet like this today. It's only the glory of God. Amen. So we thank you, Almighty God. So people of God, I want you to turn around to two people, three people and say, welcome in the presence of God. Be blessed. Can you greet each other in the name of the people for him? Hallelujah. Thank you, Jesus. Welcome in the presence of God. Welcome, hallelujah. Welcome, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are welcome in the presence of Almighty God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Come on, just greet, just greet. The Holy Spirit is in control. Hallelujah. Is in total control in this place. I know you guys are masked, jumped up, masked. Don't worry, the Holy Spirit is here. The Holy Ghost is here. He's taking total control. Hallelujah. Thank you, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, people of God, the Bible says, where there is a freedom of God, there is everything that is partaking. Amen. Hallelujah. Amen. Is it time to praise our God? Thank you so much. Amen. We are going to stand, all of us. We are going to invite our choir to lead us in praise so we can praise for our God. Amen. Choir is up to you now. Amen. Baba, hakuna Mungu kama wewe baba.
Listen the word of God. Amen. So please we invite our pastor. We are going to clap for the glory of Jesus. Amen. As our pastor is coming forward. Thank you very much. Can we clap for the glory of Jesus? We're going to stand up so we can pray.
Nous allons prier. We're going to pray. Vous savez que tous ces jours, ça a été vraiment difficile pour l'Église. You know, the past few days has been really difficult for the church. Et nous sommes en train de traverser des moments très difficiles. And we're going through a very hard times. Et avant que je ne commence ma prédication, before I start my preaching, nous allons d'abord prier. We're going to first of all pray. Nous allons prier pour tous nos bien-aimés qui sont malades. We're going to pray for all our beloved that are sick. La maladie a frappé des parts et d'autres. Sickness has taken part in a lot of parts. Il y a la mort qui ne cesse pas de nous tourmenter ces jours-ci. And death is not ceasing to torment us these days. Et nous croyons que nous avons la victoire en Jésus-Christ. And we believe we have victory in Jesus Christ. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Because we are children of God. Et nous croyons que Dieu est capable de nous soutenir. And we believe God is able to support us. Parfois, dans la chair humaine, sometimes human flesh, il est difficile de comprendre certaines choses. It's difficult to understand certain things. Il est vrai que quand nous avons des défis, when we have difficulties, challenges, quand nous avons des défis, when we have challenges, parfois il est difficile. Sometimes it's hard. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout. We're going to stand up and pray. Nous allons prier d'abord pour tous ceux qui sont malades. We're going to pray first of all for all those that are sick. Tous ceux qui ont attrapé, que ce soit le coronavirus. Those that I have caught COVID. Tous ceux qui sont malades d'une manière ou d'une autre. Or those that are sick one way or the other. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, the Bible says everything that you ask in prayer, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Believe you received and you see accomplished. Et il est écrit quelque part, it's written somewhere, si des d'entre vous s'accordent sur la terre, if one of you is agreed on earth, pour demander quoi que ce soit, s'ils ne doutent pas dans leur cœur, mais croient que ce qu'ils demandent arrive, ils verront s'accomplir. Et nous croyons que Dieu peut faire quelque chose dans la vie de tous nos bien-aimés qui sont malades, qui ont attrapé la maladie d'une manière ou d'une autre. Et nous allons chasser cet esprit qui est en train de poursuivre nos bien-aimés. That's following our beloved. Nous allons prier. Est-ce que tu peux élever ta voix? Can you raise your voice? Là où tu es, where you are, tu pries. Pray. Pour tous nos bien-aimés, all our beloved, qui sont malades. That's it. Élevons nos voix, prions. Let's raise our voice and pray. Nous sommes en train de prier. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de prier au Dieu pour tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont malades, mon Dieu, qui ont attrapé, Seigneur, que ce soit le coronavirus, qui ont attrapé n'importe quelle maladie. Seigneur, nous venons maintenant menacer cette maladie. Dans le nom de Jésus, je vous chasse. Je vous ordonne de quitter, de libérer tous les bien-aimés au nom de Jésus. Toi, esprit des maladies, toi, esprit qui vient tourmenter, je te chasse maintenant. Je te déloge dans le nom de Jésus-Christ. Toi, coronavirus, je t'ordonne de libérer, d'aller dans les liens arides au nom de Jésus-Christ. Toi, puissance des royaumes des ténèbres, quelle que soit ta nature, quelle que soit ton origine, je te donne, je te commande de libérer, oh bien-aimé, au nom de Jésus. Je vous chasse maintenant, je vous ordonne de quitter, de libérer, aller dans les liens arides au nom de Jésus. Influence diabolique et satanique, je vous ordonne de quitter au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es en train de tourmenter les familles, je te commande de libérer de tous nos bien-aimés qui sont malades, qui ont attrapé les corona, qui ont attrapé le flou, qui ont attrapé n'importe quelle maladie, les diabètes, Seigneur, au
au nom de Jésus. Étends ta main puissante aux cieux et touche maintenant et guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus-Christ. Que la droite triomphante de l'Éternel touche maintenant et guérisse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aux cieux. Souviens-toi de tous tes serviteurs qui sont malades en ces moments, de toutes tes servantes qui sont malades en ces moments. Seigneur, touche-les. Tu es guéri au nom de Jésus. Que la guérison qui coule dans le nutrition de Jésus pénètre dans leur corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, afin que le bien-aimé soit guéri. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous avons prié. Ordonnant à cet esprit de mort. Dieu, en réduisant l'âge de la personne. God reduces the age of man. Ce n'était pas que l'homme meure à des âges que les gens sont en train de mourir. Nous allons prier. We're going to pray. Pour ordonner à cet esprit de mort. We're going to order the spirit of death. De prendre ses bagages, take its belongings, de s'en aller dans le lieu and to go to the wilderness, dans le nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Mais tu vas prier par rapport à ta famille. Beloved, you're going to pray according to your family. Parce que personne d'autre ne peut prier pour toi. Because no one else can pray for you. C'est vrai, les pasteurs peuvent prier pour toi. Yes, it's true, pastors can pray for you. Mais écoute très bien. But listen carefully. Tout ce que tu confesses de ta bouche, everything that you confess in your mouth, arrivera à s'accomplir. Will come to be accomplished. Voilà pourquoi je te That's why I beg you. Tu dois faire un effort de prier pour ta famille. Make an effort to pray for your family. Nous allons ordonner à cet esprit de quitter nos familles, nos femmes, nos maris, nos enfants, de quitter l'église. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de commander maintenant à toute puissance de la maladie, de la mort, toi esprit de mort qui est en train de ravager ces jours. Je te commande, dans le nom de Jésus, de libérer, aller dans les liens amis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérer l'ensemble. Tu dois quitter maintenant, toi la mort. Jésus-Christ t'a vaincu, il y a de cela 2000 ans. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Je te commande au nom de Jésus-Christ de libérer, aller dans les liens amis. La mort, tu n'as pas de pouvoir. La mort, tu n'as pas de pouvoir. Tes chutes sont maintenant. Je te chasse de la vie de mon pain, de la vie de mes enfants, de la vie des habitants de Dieu, de la vie du peuple de Dieu. Je te chasse. Que ce soit la mort par accident, que ce soit la mort par la maladie, ou sous le sommeil, tu es en train de me commander. De libérer, allez dans les liens amis. Au nom de Jésus, je vous chasse maintenant, je vous ordonne de libérer, au nom de Jésus, ma puissance est éternelle. Quelle que soit votre nature, quelle que soit votre origine, je vous ordonne de libérer. Au nom de Jésus, quitte maintenant. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci. La mort qui est partie dans les amis. Au nom de Jésus, la mort. Si tu nous entends, au nom de Jésus, au nom de Jésus, si comme un homme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Afin que Dieu protège nos familles. In order for God to protect our families. Protège l'église. Protect the church. Protège les serviteurs et les servantes. Protect the servants of God. Et protège tous nos enfants. Tous nos enfants. Nous allons prier que Dieu, la protection de Dieu, soit sur chacun de nous, sur tes enfants, sur ta femme, sur ton mari, et sur l'église. Au nom de Jésus, élevons la voix, prions au nom de Jésus. Seigneur,
nous sommes en train de prier maintenant afin que ta protection, Seigneur, soit sur nous, notre Dieu. La protection, Seigneur, soit, Seigneur, notre Dieu, sur mes enfants, ma femme, ceux qui sont dans ma maison, sur tes serviteurs, sur tes servantes, oh Dieu. Je prie éternellement, notre Père, que tu assistes ici, assiste à notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, oh Dieu, afin que ta droite triomphante, au nom de Jésus, Seigneur, nous te disons merci, parce que c'est toi qui es le Dieu protecteur, mais c'est toi qui es en train de protéger à cet instant notre Père. Protège, Seigneur, nous devons être dans la bonté de ta parole, Seigneur, la protection céleste, au nom de la protection céleste, dans le nom de Jésus, 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 alléluia, au nom de Jésus. Eh bien, nous allons prier. Tous ceux qui sont découragés, parce qu'un membre de famille est parti, ou il est fatigué, ou il a dit, mais Dieu, où es-tu? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as abandonné? Nous allons prier pour que tous ces gens-là, tous ceux qui sont éprouvés, c'est que Dieu le consomme dans le nom de Jésus. Élevons le voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, si tu te arrêtes, je suis en train de prier aux Dieu afin que tu encourages tous ceux qui sont censés notre Dieu découragé aux Dieu à cause de l'événement, à cause de quelque chose ou autre, dans le nom de Jésus. Seigneur notre Père, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, encourage tous ceux qui sont abattus aux Dieu, tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, Seigneur, mon Dieu, toi célèbre et toi éternel, notre Père, pour agir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de te prier. Tu agis, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ceux qui sont éprouvés en ces moments, consomme le cœur de notre Dieu. Sois le soutien, sois le rabbi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, nous te disons merci. Seigneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Glorifie donc ton nom, notre Père. Nous voulons que tu protèges ton peuple. We would like you to protect your people. Protège tes enfants. Protect your children. Tu as dit dans ta parole. You said in your word. Tous ceux qui sont dans ta main. Everyone that's in your hands. Personne ne peut le ravir. No one can take them. Seigneur, nous voulons être dans la paume de ta main. Lord, what want you to put in your hands? La maladie ne peut pas nous arracher de toi, oh Dieu. Sickness cannot take us away from you. Seigneur, la mort ne peut pas nous arracher de toi. Nous voulons que tu protèges ton peuple. Nous voulons que tu guérisses tous ceux qui sont malades. Seigneur, qui sont couchés maintenant. Seigneur, ils sont souillants, ils sont en train de souffrir. À cause des coronavirus. À cause, c'est notre dit, notre maladie. Seigneur, je t'invoque. Lord, I call upon you. Et dans ta main puissante. Et touche. Touch. Guéris. Heal. Guéris. Heal. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. La guérison qui coule de maîtrise de Jésus. The healing that flows from the wound of Jesus. Pénétrer dans leur corps. Penetrate their body. De la tête jusqu'à la plante des pieds. From their head to toe. Nous voulons que toi seul. Lord, we want you alone. Tu opères. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 24. La Bible dit ceci. Matthieu
Matthieu chapitre 13, à partir de verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il l'a dit. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema des livrées parmi le bleu et s'en alla. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed wheat among the wheat and went away. Lorsque l'herbe eut poussé et donné le fruit, l'ivraie parut aussi. When the wheat sprouted and formed heads, then the wheat also appeared. Le serviteur du maître de la maison vint et lui dit: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui a de livré? The owner's servant came to him and said, Sir, then you sow good wheat in your field. Where then did the wheat come from? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? An enemy did this, he replied. The servant asked him, do you want us to go and pull it up? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le bleu. No, he answered, because while you are pulling the wheat, you may uproot the wheat with them. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le bleu dans mon grenier. Let both of them grow until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, first collect the wheat and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn. Nous voulons écouter ta parole. We want to hear your word. Assistez-nous, Seigneur. Assist us, Lord. Et enseigne. And teach us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous avons prié. We pray so. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. May you be seated. Je constate vraiment que les gens viennent de situation difficile. I can feel that people have come from a very difficult time. Nous avons eu deux semaines. We had 2 weeks. Où les gens étaient toujours dans cette salle. When people were residing in this hall. Deux semaines de difficulté. 2 weeks of difficulty. Où il y avait le deuil. And there was a bereavement. Et je parie que la plupart des gens ne sont pas venus aujourd'hui à cause de cela. Most parts of people have not come today because of that. Ce que je nous dirais, c'est que la Bible dit, the Bible says, depuis les temps de Jean-Baptiste, since the time of John Baptist, le royaume des cieux est forcé. The kingdom of God was forced. Et ce sont des violents qui s'en emparent. It's those that are those are brave. Voilà. Mais ne laissez pas que la difficulté, difficult times, le problème, problems, nous empêche de louer Dieu. Prevent us from worshiping God. Ne permet pas que do not allow la mort, death, la maladie, sickness, nous empêche to prevent us de louer Dieu. From worshiping or praising God. Il est arrivé dans ma vie que j'avais le coronavirus pendant 3 semaines. Alors que le pasteur Dali était au coma. Why Pastor Lee and Pastor Daly was in coma. J'étais aussi malade. I was also sick. Mais pendant que j'étais malade, and throughout my sickness, et je voyais l'ampleur de la maladie du Pasteur Daly. I can see the sadness from Pastor Daly's illness. Pendant que j'étais malade, while I was sick, je dirigeais la prière moi-même. I kept leading the prayer myself. Je dirigeais la prière. I was leading the prayer. Et pendant ce temps-là, and throughout that time, je souffrais à mon intérieur. I was suffering within me. J'étais malade. I was sick. Cela ne m'a pas empêché that did not prevent me de servir Dieu. To serve God. Alléluia. Amen. Ça, c'est, je vous dis, c'est ce qui s'est passé chez moi. I'm telling you what happened to me. La plupart des gens ne savaient pas que j'étais malade. Most people didn't know I was sick. Je ne voulais pas montrer pour
que les gens sachent que moi aussi je suis malade. They want to show that people may know that I'm also sick. Que deux pasteurs au même moment attrapent le COVID. That two pastors have caught COVID at the same time. Mais j'étais malade. But I was sick. Et j'ai dirigé la prière. I kept leading every prayer. Je faisais tout pour que toute personne ne sache. I was doing everything so that no one may know. Que aucune maladie. That no sickness, aucune circonstance, no circumstance, ne te laisse indifférent to let you be indifferent par rapport à Dieu. To God. Quel que soit ce qui peut arriver, no matter what may come, viens à l'église. Come to church. Loue Dieu. Praise God. Fais tes efforts. Make an effort. À moins que la restriction soit vraiment forte. Unless the restriction is strong. Mais si la restriction finit, but once the restriction ends, c'est la maison de Dieu qu'on vient. It's the house of God that we come. Pour recevoir la guérison. To receive healing. La Bible dit que the Bible says, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. It's well in view for the brothers and sisters to dwell together. C'est là où Dieu déverse la bénédiction. It's where God pours out His blessings. C'est là où Dieu déverse les miracles. It's where God pours miracles. C'est là où Dieu déverse la guérison. It's where God pours healing. Il est vrai que nous ne venons pas à l'église pour être bénis. Yes, it's true we don't come to church to be blessed. Mais nous venons à l'église. But we come to church. Pour reconnaître la déité de notre Dieu, la divinité de notre Dieu. To recognize the divinity of our God. La grandeur de the greatness of our God. Pour sanctifier notre to sanctify Dieu. Our God. Parce que c'est celui qui a donné cet ordre. Because he's the one that gave that order. C'est pour cette raison, frères et sœurs. For that reason, brothers and sisters. Faisons nos efforts. Make an effort. Quel que soit ce qui peut arriver. No matter what may come. Même si vous avez travaillé de la nuit. Even if you work throughout the night. Vous pouvez venir. You can come. Sacrifie 2 heures pour Dieu. Sacrifice 2 hours for God. Fais un effort. Make an effort. À être dans la présence de Dieu. To be in the presence of God. Très important. It's very important. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de gens de Glasgow aujourd'hui. I thought a lot of people from Glasgow will come today. Vous savez, le bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. J'ai habité la Hollande. I lived in Holland. J'étais en Hollande. Yeah, I lived in Holland. J'ai vécu là-bas. I lived there. Je fais 3 ans en Hollande. For 3 years. Et l'église où le gens, en fait, quand on quitte l'église. And when you leave the church. Les gens habitaient à Amsterdam. People were living in Amsterdam. Mais ils venaient jusque à Arnhem. And they were coming all the way to Arnhem. 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 C'est-à-dire, c'est la distance de ici jusqu'à Manchester. It's a distance of Manchester to, sorry, Motherwell to Manchester. C'est-à-dire, ils faisaient 5 jours. Donc chaque dimanche. So they were doing that and travel every Sunday. Donc on peut le faire. So we can do it. Ce n'est pas simplement quand l'église organise le bus que nous pouvons venir. It's not only when the church organizes transport that we can come. Ça, on n'a pas organisé l'église, le bus. We didn't organize transport and coaches today. Tout le monde n'est pas venu. So no one came. Alléluia. Amen. Nous devons être des violents. We need to be brave. Je voyais les gens quitter là-bas. I see people leave. Amsterdam pour venir à l'église. Amsterdam to come to church. Et l'église était pleine. And the church was full. Ils viennent de partout. They were coming from everywhere. Pas simplement Amsterdam, Rotterdam. Not only Amsterdam, also Rotterdam. Ils venaient même à Rosendal. Also Rosendal. Ils venaient à l'église. They were coming to church. Donc il faut faire un effort. So you need to make an effort. Pour Dieu, rien n'est payé. C'est-à-dire rien, le prix n'est pas grand. For God, there's not a greater price. Ça ne dépasse pas. It doesn't go beyond. C'est que Dieu a fait pour nous. What God has done for you. Parce que si Dieu retire simplement le souffle de vie que nous avons. Because if God simply takes away our breath of life. Non, nous ne pouvons rien. We can do nothing. Il y a des moments où nous n'avons pas de sommeil. Sometimes we don't even have sleep. J'avais des difficultés à me réveiller ce matin. I had difficulties waking up this morning. Mais je me suis quand même réveillé. But I woke up at least. Alléluia. Amen. Parce que je savais qu'il faut que je vienne à l'église. Because I knew that I had to come to church. Fais des efforts. Make an effort. Fais tes efforts. Make an effort. Si tu as ton propre transport. If you have your own transport. Fais un effort d'arriver à temps. And make an effort to arrive on time. Mais nous autres qui dépendons des autres. But us that depending on others. Hein, on fait quand même des efforts. Même we make an effort. On fait quand même des efforts. We make an effort. On peut arriver en retard. We may arrive parce late. Que nous dépendons de. Because we're depending on someone else. Mais toi, tu ne dépends de personne. But you don't depend on tu anyone. As ton transport à toi. You have your own transport. Moi si je ne dépends pas des gens. If I don't depend on people, vous allez voir. You will see. Demandez à Isaac ici. Hein. Ask Isaac. Moi, même le pasteur Daniel est en train de me suivre. Even Pastor Daniel is following us right j'étais now. Toujours le premier à l'église lorsque nous étions à Royston Road. I was always the first to arrive in church while we're in Royston. Parce que là c'est le bus, je prends le bus et je pars. Because it was just a bus away, I'll take the bus. Je n'ai pas besoin de transport. I don't need any transport from anyone. Alléluia. Amen. Donc on peut le faire.
So we can do it. Ma femme et moi on a fait de Cardonal jusqu'à l'église à pied. My wife and I traveled from Cardonal to Glasgow. Mais on était toujours for one week, but we're always on time. Je vous encourage, frères et sœurs. I'm encouraging you, brothers and sisters. Ne permettez pas que. Do not allow. Que le transport soit un issue pour toi. Transport be an issue for you. Que le travail soit un issue pour toi. Now work may be an issue for you. Moi, je fais les night shifts. I work night shifts. Je travaille de 20h à 7h du matin. I work from 8 p.m. to 7 a.m. Je vais travailler les samedis. I can work on Saturday night. Dimanche, je suis à l'église. Sunday morning. Je prêche. Je fais ça. I'm preaching. Pendant 9 ans ici. I've done it for 9 years. Avec Yamadawel. Well. Je fais ça. Donc, il n'y a rien qui puisse... C'est-à-dire, si c'est Dieu qui est dans votre tête, if God is in your head, si c'est Dieu qui est là, if it's God that's in your head, vous ferez un effort. You will make an effort. Dieu d'abord. God first. Dieu d'abord. God first. Parce que c'est celui qui peut me retirer le souffle de vie. Because it's only Him that can take away my breath of life. Si il permet que je tombe malade, if He allows me to be sick, je suis malade. I am sick. Mais aussi longtemps que je suis en train de faire sa volonté, but while I'm doing His will, il ne permettra pas que quelque chose arrive. He will not allow for anything bad to happen. Amen. Donc j'aimerais que vous compreniez ces choses. So I would like you to understand these faites things. Faites ton effort. Make an effort. Dieu va protéger tes enfants. God will protect your il children. Il va protéger ton mari. He will protect il va your protéger husband, ta femme. Your wife. Il va protéger tes enfants. Your children. Et tu seras bien. And you'll be fine. Dieu d'abord. God first. Moi je peux travailler 7 sur 7. I can work 7 days out of 7. Mais je ne travaille pas 7 sur 7 pourquoi? I don't work 7 days out of 7. Why? Parce que je veux faire quelque chose pour Dieu. Because I would like to do something for God. La Bible dit que the Bible says, heureux le mort qui meurt dans le Seigneur. Blessed the man that dies in the Lord. Qui se repose de leurs travaux. They rest from them and walk. Et leurs œuvres les suivent. And their deed will follow them. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless. Et que Dieu nous soutienne. May God support us. Vous qui me suivez de Glasgow. You are following me from Glasgow. Qu'est-ce qui vous a empêché? What prevented you? De venir à l'église. To come to church. J'ai annoncé. I announced. J'ai dit qu'il y avait au moins, si c'est combien de personnes qui ont des transports. I announced there were a number of people that had cars. Ils pouvaient prendre les autres. They could have given a lift to others. Vous savez quoi? Do you know what? Quand Dieu. When God. Voit que vous êtes égoïste. Sees that you're selfish. Il ne vous donnera pas l'argent. He will not give you money. Parce que si Dieu te donne une voiture. Because if God gives you a car. Il sait qu'avec cette voiture là. He knows with that car. Tu pourrais aider les autres. You can help others. Mais s'il voit que toi tu as la voiture. But if he sees that you have a car. Et que dans ta voiture tu es simplement orgueilleux. In your car you are full of pride. Tu ne peux pas prendre l'argent. You cannot give lift to others. Comprends que Dieu dit mais. Pourquoi je bénirais cette personne? God is asking to so why am I blessing this person? C'est bien là, c'est pour lui-même. All those good is just for c'est himself. Pour sa femme et les enfants. It's for his wife c'est and children. Pour les autres. Not for others. Alléluia. Amen. Je vous assure. I assure quand you, j'avais ma petite voiture là. When I had my small car. Je me réveillais chaque matin. I woke up every morning. Je me disais toujours. I always said. À qui je peux faire du bien? Who can I do good to today? Ma femme est là, elle peut vous aider. My wife is there, she can à qui je peux faire du bien? Who can I do good to? Il faut que j'aille prendre quelqu'un. I must go and collect someone. Je dis mais Seigneur. I said Lord. Pourquoi tu me prives certaines choses? Why are you depriving me of certain things? Mais les autres qui ne veulent pas faire. But others tu leur donnes pourquoi? You give it to pourquoi them. Pourquoi moi tu ne me donnes pas? Why je you peux you le faire. Me? I can do it. Je me pose souvent cette question là. Sometimes I ask myself that Seigneur, question. Seigneur pourquoi tu me prives certaines choses? I said Lord why do you deprive me? C'est que les autres n'arrivent pas à faire. What others tu leur as donné do? Cela. You've given them. Et ils ne veulent pas le faire. And they don't want to do it. Donne-moi. But give it to moi me. Je peux le faire. I can do it. Comprenez ces choses. Understand these things. Amen. Amen. Nous parlerons de éviter les ménages aujourd'hui. We're going to speak about avoiding mixing. Voilà. Nous allons parler d'éviter les ménages. Avoiding mixing, to avoid mix. Mixtures. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Amen. Donc, est-ce qu'il y a trop de mélange à l'église? There's a lot of mixture in the church. Vous savez, l'église de Dieu. You know the church of God. Est dirigée par le Saint-Esprit. It's led by the Holy Spirit. Comprenez? La Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres. The Bible tells in the book of Acts the Apostles. Que l'église était en paix. That the church was in peace. Croissait. Growing. Par l'assistance du Saint-Esprit. By the help of the Holy Spirit.
L'église n'est pas dirigée par le pasteur est là. The church is not led by the pastor. Il donne des directions. The pastor is there to give directions. Mais l'église est dirigée par Dieu. But the church is led by God. Et ensuite, and then, nous qui sommes des enfants de Dieu, us who are children of God, nous ne venons pas à l'église. We do not come to church. Juste pour venir. Just to come. Il y a des gens qui viennent à l'église. But there are people who come to church. Mais il est dehors. But they are outside. Son esprit n'est pas ici. Their spirit is not in Ses here. Ses pensées ne sont pas ici. Their thoughts are not here. C'est ailleurs. It's elsewhere. Voilà pourquoi j'ai toujours laissé la latitude de chacun de choisir. That's why I say the attitude of each to choose. Each person to choose their attitude. Mais on peut encourager quelqu'un. But we can encourage people. On peut encourager quelqu'un. We can encourage someone. Mais il faut laisser la latitude, c'est-à-dire le choix, les désirs. So you need to leave the attitude. Que chacun choisisse. Choice. Let each person choose. Parce qu'il y a trop de mélanges. Because there's a lot of mixture. Dans l'église. In the church. Il y a trop de mélanges. There are a lot of mixture. Parmi les enfants de Dieu. Amongst the children of God. Et mes bien-aimés, beloved, je vous assure que le jour du jugement, I assure you on judgment day, beaucoup de gens seront surpris. A lot of people will be surprised. Nous serons surpris. We will be surprised. Que celui que tu voyais à l'église en train de chanter. In church singing. En train de modérer, moderating, en train de prêcher, preaching, en train de faire des choses, doing things, il n'est pas monté. They will not go up to heaven. Parce que tel que nous sommes là, because as we are here, s'il y a le mélange en nous, if there are mixtures within us, s'il y a les church mafia, if this church mafia, s'il y a beaucoup de mauvaises choses que les enfants de Dieu font, if there are a lot of bad things the children of God do. Mais bien-aimés, nous n'allons pas hériter le royaume. Comprenez, j'ai toujours dit ici que, que nous sommes en train de préparer les gens we are preparing people pour hériter le royaume de Dieu. Inherit the kingdom of God. Préparer les gens. Preparing people. C'est pour cette raison que nous devons éviter. L'apôtre Paul dit ceci. Non. C'est l'apôtre Pierre, Jean qui dit. Il dit qu'il y a beaucoup de séducteurs. Ils étaient parmi nous. Mais ils n'étaient pas de nous. But they were not with us. Ils sont là. They are here. Mais ils ne sont pas de nous. They are not, ils sont part of us. Des agents du diable. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église. There are a lot of people in the church. Ils sont les agents du diable. They are agents of the devil. Mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont les agents du diable. Themselves do they even realize they're agents of the devil. Vous comprenez ce que je dis là? Do you understand what I'm saying? Il est un agent du diable. They're working with the devil. Ce n'est pas parce qu'il est parti signer un contrat avec le diable. It's not because they went to sign a contract with the devil. Mais le diable est en train de l'utiliser. But the devil is using them. Il est un agent du diable. They are an agent of lui-même, il est inconscient. Himself, they're inconscient. Qu'il est agent du diable. That they're working with que le diable est en train de l'utiliser. And the devil is using them. Parce que par exemple, for example, quand quelqu'un détruit l'œuvre de Dieu, when a person destroys the work of God, c'est un agent du diable. It's an agent of the devil. Quand quelqu'un n'a pas une bonne réputation à l'église, when someone doesn't have a good reputation in the et que l'église est critiquée à cause de lui, and the church is criticized, c'est un agent du diable. They're an agent of the devil. Souvenez-vous de mon message dont je parlais, Remember my message. Dans le ressemblance entre les diables et les chrétiens. I spoke about the resemblance between the devil and the Christians. Parce qu'il y a beaucoup de mixed. Because there's a lot of mixtures. There are a lot of mixtures. C'est pour cette raison. For that reason. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, as children of God, je dois éviter les mélanges dans ma vie. I need to avoid mixture in my life. La Bible dit. The Bible says. C'est Jean qui dit. John said. Il dit n'aimez pas le monde. Do not love the world. Ni les choses qui sont dans le monde. All the things that are car in the world. Car tout ce qui est dans le monde. For everything that's in the world. Et la convoitise de la chair. And the lust of the flesh. Ne vient pas de Dieu. Does not come from God. Mais ça vient du monde. But it comes from the world. C'est pourquoi. That's why. Nous allons voir cela. We're going to see this. Voici ce que le mélange peut arriver amener dans la vie d'une personne. This one mixture or mixing can happen. Je parlerai de trois choses. To a person's life. I'll speak que le mélange peut amener dans la vie d'une personne. What mixture can bring to a person's life. Peut amener dans une vie. What can bring to a person's life. Et après nous allons finir. And then we're going to finish. La première des choses. The first thing. Quand il y a le mélange. When there's mixture. Il y a infiltration. There's infiltration. L'infiltration. Infiltration. Bon, viens plus ici. Ça dit tel que nous sommes là. It means as we are here. Les gens nous ont infiltrés. People have infiltrated ils sont du diable. They are from the devil. Ils sont des agents. They are agents. Evil agents.
Mais ils nous ont infiltrés. Ils donnent des informations au diable. They give information to the devil. Toi-même là, tu peux être you can be there. Un infiltré du diable. You can be infiltrated. Comme je viens de dire tout à l'heure là. As I said long ago. Parce que quand tu as beaucoup de mélanges, because when you have a lot of mixture, ça dit tu n'es pas clair. It means you are not clear. Dans ta vie chrétienne. In your Christian life. Si tu as double face, if you have double face, dans ta vie chrétienne, in your Christian life, tu es un infiltré à l'église. You've been filtered in the church. Yeah, c'est pour cette raison. L'apôtre dit ceci. That's what Apostle said. L'apôtre Paul. Apostle Paul. Il dit examine-toi-même. Examine yourself. Pour savoir si tu es dans le Seigneur. To know if you're in the Lord. Parfois, est-ce que les enfants de Dieu font un examen? Do the children of God examine themselves? Est-ce que tu fais un examen? Do you examine yourself? Est-ce que je suis dans le Seigneur? Am I in the Lord? Vous savez, quand je dis souvent que trop de familiarité. So do I say a lot of familiarity? Despise. Pourquoi? Why? Parce que il y a beaucoup des enfants de Dieu. Because there are a lot of children of God. Ils sont tellement habitués au culte. They are so used to service. Ils sont tellement habitués aux serviteurs de Dieu. They are so used to servants of God. Ils sont tellement habitués. So used au service de Dieu. To the service of God. Ils négligent ça. They neglect these. Donc vous êtes infiltré dans la maison de Dieu. Infiltrated in the house of God. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu comme il faut. You're not doing the work. Tu es infiltré dans la maison de Dieu. Infiltrated in the house of God. Quand tu critiques l'église dehors. When you criticize the church outside. Quand tu critiques tes frères. When you criticize your brothers. Si tu as double face. If you are double face. Tu es infiltré. You're infiltrated. Parce que tu es un enfant de Dieu. Because a child of God. C'est un enfant de Dieu. Is a child of God. Il produit des fruits dignes. They produce a worthy fruit. De la repentance. Of repentance. C'est-à-dire de changer. Repentance, ça veut dire changement de mentalité. Repentance means change of mentality. Vous savez quoi? Do you know what? La Bible nous parle des livrets. The Bible speaks about Alléluia. Les bleus et les livrets sont des fruits. En fait, ils sont de des semences qui sont un peu semblables. Wheat and wheat are seeds that are alike. Ils sont semblables. They are alike. Ils se ressemblent. They resemble each other. Si tu ne fais pas attention, if you are not careful, tu peux croire que l'ivraie est un, c'est le bleu. You might think that wheat is wheat. Le bleu, c'est ce que nous utilisons pour fabriquer la farine. Wheat is used to make flour. Farine que nous mangeons là. The flour that we eat. Comme nous aimons le bleu, le mécaté. As we love donuts. Les pains. Bread. Ça vient de du bleu. It comes from wheat. Mais écoute. Listen. Celui-là est venu semer. That person came to sow. Le serviteur est venu semer. The servant came to sow. Dieu a semé. God sowed. Dieu a pris les enfants de Dieu. God took the children of God. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur des seigneurs. Those that accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Moi, j'ai accepté Jésus. I, in reality, have accepted Jesus Christ. Comme sauveur des seigneurs. As Lord and Savior. Et je fais des efforts. And I make an effort. De produire des fruits dignes de la vie. To produce fruits worthy of the vie. C'est-à-dire je fais des efforts. And I make an effort. Ne pas faire du mal à quelqu'un. To not harm someone else. Ne pas critiquer quelqu'un. To not criticize quelqu'un. To not gossip about others. Je fais des efforts. I make an effort. Parce que tout ce qui sort de moi, parce que la force que je fais quelque chose de mal. So if I want to do something bad. Je me sens très mal. I feel bad. Je me sens très mal. Même quand je n'ai pas fait quelque chose. Même quand je n'arrive pas à aider une personne. Even when I'm not able to help someone. Les gens trouvent ça normal. People find it normal. Ne pas aider quelqu'un. To not help someone. Ils trouvent ça, c'est normal. Hein? They find that it's parce normal. Qu'ils étaient plus, nous sommes là. Or let them find their own way. Mais ce n'est pas comme ça. It's not like that, beloved. Donc, si tu ne fais pas attention. If you are not careful. Tu peux croire que les livrets, you might think weed. C'est qu'on appelle is what we call wheat. Mais comprends une chose. But understand. Les serviteurs ont dit au maître. The servant said to the master. Maître. Master. Nous allons d'abord arracher. Nous arrachons d'abord les livrets. We're going to take away the wheat and the parce wheat que c'est lui qui sème les livrets. Because the one that sows wheat. C'est l'ennemi. Is the enemy. C'est le diable. Is the devil. Peut-être il a semé dans ta vie. Maybe they sowed in your heart, in your life.
C'est pourquoi il y a les mélanges dans ta vie. That's why there's mixture in your life. Quand tu danses les chansons modernes. When you're out, you dance to world music. Écoute, les gens disent souvent que. People often say. Où est-ce écrit que il ne faut pas chanter les chansons modernes? Where is that scripture that says you cannot dance to world music? Où est-ce écrit que il ne faut pas danser les chansons modernes? Where is that scripture that says you cannot dance to world music? Mais écoute ce que la Bible dit. But listen to what the Bible says. Tu aimeras ton Dieu. You will love your God with all your heart, all your soul, all your thoughts. De toutes tes pensées. Même thoughts, les pensées. Even your thoughts. Ça dit toutes mes pensées. It means all my thoughts. Je crois en Dieu. I believe in je God. Pense à Dieu. I believe, quand I je me réveille, when I wake et que up, je n'ai pas prié, that I've not prayed yet, je dis que non, je n'ai pas salué mon Père. I said, well, I haven't greeted my Father today. Aujourd'hui, today, ma vie sera désordonnée. My life will be in disorganized. Parce que because je n'ai pas salué mon Père. I've not greeted parce que my je n'ai father. Pas parlé avec mon Père. I've not spoken with my Father. Mais bien aimé, ça. C'est comme ça que la vie chrétienne doit être. You know, that's how a Christian life must be. La vie chrétienne. A Christian life. Vous savez parfois, les gens disent que nous sommes durs. On a des paroles dures. You know, often people say we have cruel words or harsh words. Mais si on n'a pas des paroles dures. But if we don't have harsh words. Les gens ne changeront pas. People will never change. Ils vont revenir à leur ancienne vie. They will return to their old life. Et donc, le jour du jugement. And on judgment day. C'est moi qui serai jugé. It's I that will be judged. C'est nous les serviteurs. It's us the servants of God. Parce qu'on ne vous a pas dit ce qu'il faut dire. Because we have not told you what we should have told you. Et le diable est en train de mettre les livrets à vos côtés. And the Bible is putting weed beside you. Mais Dieu. My God. Avec la patience. With patience. Il dit patience. He said patience. Vous savez, la patience de Dieu est en train de se prolonger. You know the patience of God is prolonging. Dieu vous laisse parce que les gens croient que. People think. Non, je suis à l'église. Il n'y a aucun malheur qui m'arrive. Church, no, nothing bad is happening to me. Dieu, c'est la patience. God is patient. Parce que la patience de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Because God's patience did not start today. La Bible nous dit que. The Bible tells us. Le temps de Noé. The time of Noah. La patience de Dieu s'est prolongée. The patience of God was prolonging. Prolongée. Prolonging. Comme Dieu est en train de prolonger. As God is prolonging. Les gens voient les autres mourir. People see others die. La maladie est en train de ravager. Sickness is taking people. Mais les gens ne changent pas. And people still not changing. Les gens n'adorent pas Dieu. People still don't les gens ne veulent pas servir Dieu. God. People still don't want to serve God. Rattrape quand même les temps. And recap on time. Catch up your lost time. Tu dois catch up your lost time. You need to catch up your lost time. Les temps que tu as perdu. The time that you've lost. Quand tu es dans la fête là-bas, when you're in a party, le pasteur n'est pas là. The pastor's not there. Aucun chrétien n'est pas là. No Christians are there. Quand il y a le mélange en toi, but because this mixture in you, tu peux danser n'importe comment. You can dance anyhow. Tu peux embrasser n'importe quoi. You can kiss anyhow. Tu peux faire n'importe quoi. You can do whatever. Ça c'est ce qu'on appelle. Tu es le livré. That's what we call that. You are weed. Yes. Tu es le livré. You are weed. Tu n'es pas le bleu. You are not wheat. Mais Dieu, tout simplement, tu es un infiltré. You simply infiltrated. Un infiltré parmi les enfants de Dieu. Amongst the children of God. Mais un jour, Dieu va t'exposer. But one day, God will expose you. Alléluia. Amen. Même s'il ne t'expose pas aujourd'hui. Even if he doesn't expose you today. Vous savez quand la Bible dit que. You know when the Bible says. Les autres vont se réveiller pour la honte éternelle. Vous avez vu ce verset? The other will wake up from the la honte. Shame, embarrassment. La honte éternelle. Ça sera une honte terrible. It will be an embarrassment. Mais bien aimé, vous savez quoi? Beloved, you know. Nous avons honte ici sur la terre. We are embarrassed on earth. Mais la honte du ciel. But the embarrassment in heaven. Ça sera grave. It's terrible. Parce que j'ai toujours dit. I've always said. Les habitants du ciel. The inhabitants of sont heaven. Très nombreux. They are numerous. Aucune personne n'est indispensable sur la terre. No one is irreplaceable on earth. Dieu ne te supplie même pas. God is not begging you. Mais Dieu veut simplement que tu sois sauvé. But God simply wants you to be saved. Parce que le problème, c'est que je vous ai toujours dit que Dieu. I've always said God. À l'époque de la Bible. Back in the days in the Bible. Dieu pouvait envoyer quelqu'un. God can send someone. Il dit va dans ce village là. He said go into that village. Tue tout le monde. Kill everyone. Ne laisse aucune personne. Let any person alive. Même pas une poule. Not even a chicken. Dieu est comme ça. God is like vous that. Savez si Dieu j'ai toujours expliqué ceci. I've always explained. Vous savez un esprit. A spirit. Vous comprenez un esprit. A spirit. Un esprit. A spirit.
does not have love. Does not have love. Hallelujah. Amen. Un esprit n'a pas d'amour. A spirit does not have un esprit love. N'a pas la haine. A spirit does not have hate. Un esprit a spirit ne critique pas. Does not criticize. Un esprit. A spirit. Je parle de l'esprit. I'm speaking about the spirit of God. Vous savez quand la Bible dit? You know when the Bible says? Quand quelqu'un meurt, when someone dies, sa mémoire est effacée. Their memory is erased. Quand quelqu'un meurt, when someone dies, son amour est parti. Their love is gone. Même les enfants que tu aimais beaucoup là. Even the children you love so much. Les gens ne comprennent pas, mais c'est dans la Bible ce que je dis là. What I'm saying is in the Bible. C'est la Bible. It's the et Bible. Si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. And if you believe in the Bible and the word toi, of God. Toi, tu ne veux pas venir à l'église à cause des enfants. You don't want to come to church because you children. Mon mari. My husband. Non, mes amis. Or my friends. La Bible dit ceci. The Bible si says. Si tu meurs. If you die. Cet amour là est parti. That love is gone. Il n'y a pas d'amour. There's no longer parce que si Dieu maintenant, because in God now, se met à sa place de Dieu, place himself in the place of God, et voit comment les choses sont en train de se passer, and see how things are happening, les livrer, God will deliver, Dieu te tuer, God will kill you, parce qu'il peut te tuer, because he can kill you, lui n'a pas peur de la mort, he's not scared of death, parce que Dieu ne vit pas dans les temps. Because God does not live in time. Dieu vit en dehors du temps. God is outside of time. C'est pour cette raison. For that reason, Dieu est en train de te laisser à corps. You are laying yourself. Fais ce que tu veux. Do whatever you want. Tu es délivré. You are tu weak. Es un infiltré. You are infiltrated. Mais un jour. But one day. Sache-le bien que. You need to know. Dieu. God. Va t'attraper. Will catch up on you. Tant bien avoir un problème avec les pasteurs. I'm having a problem with pasteurs. It's better to have a problem with a pastor or a sister. But if you have a problem with God, who will defend you? Quelqu'un qui a des mélanges dans sa vie. Someone that has mixture in their lives sera exposé. Will be exposed and will not inherit the kingdom of God. Te dépouiller de tout ce que tu fais de mauvais. You need to take yourself away from everything that you do that's bad. Dépouille-toi. The root is of taking de l'injustice, from injustice, de la corruption. Corruption. De l'injustice. Injustice. De dribbler les autres. Of lying, deceiving. Tu as le business avec quelqu'un. You have a business with someone. Tu es chrétien. You're a Christian. Les gens te croient parce que tu es chrétien. People believe on te confie quelque chose. They trust in you because of something. Oh, par derrière, tu es en train de les dribbler. Whereas behind, you're lying to them. Amen. Amen. Tu es en train de les dribbler. You're lying to them. Tu es un weed. You are weed. Dieu va t'exposer. God will expose you one day. Beloved in the Lord. Nous devons être conscients. Ça, c'est la première chose. Conscience. Les mélanges amènent ce qu'on appelle l'infiltration. The mixture with what we call infiltration. Et si vous permettez les mélanges and if you allow mixture dans votre maison, in your household, ou bien dans vos activités, or your activities, les bien-aimés dans le Seigneur, beloved in the Lord, tu peux, ça, cela peut être entraîné. That can delay you. Ça peut t'entraîner, c'est-à-dire ça peut t'étirer. So it can take you. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent. There are some people that say. Je suis chrétien. I am a Christian. Je vais influencer celui-là. I'm going to influence this person. Souvent les chrétiens n'influencent pas. Often Christians do not influence. Si tu n'es pas violent. If you are not. L'église est simplement tu n'arrives pas à venir. The church simply not even able to come. Comment tu vas influencer? How are you going to influence? Annoncer même la parole de Dieu tu n'arrives announcing pas. Announcing the word of God. Tu vas influencer comment? How are you going to influence? Quand quelqu'un va te dire non, hein, bon, faisons ça simplement une seule fois. When someone does it, let's just do this one time. L'influence. Influence. Tu es un infiltré dans la maison de Dieu. You're an infiltré in the house of God. L'ennemi est venu. The enemy il a semé les livres. So là où il y avait la porte de terre. There was là où il y avait le bleu. Where there was wheat. C'est pour cette raison, frère, c'est ça. It's for that reason, ça, c'est que ça t'amène. Deuxièmement. Secondly. C'est que le mélange amène. What mixture brings? La deuxième chose. Second thing. C'est la déception. It's deception. Alléluia. On l'entend. C'est la déception. It's deception. Sorry. C'est la déception. It's deception. Les mélanges amènent la déception. Mixture brings deception. Vous confiez la responsabilité à quelqu'un. You trust someone with some responsibilities. Et surtout les gens qui prient. Especially those that pray hard. Oh, we need to pray. C'est ce qui est vrai. It's true. C'est ce qui est bon. It's what's good. Nous devons prier. We need to pray. N'arrêtez pas de prier. Do not cease praying. Mais quand vous êtes mélangé, but when you are mixed,
et que vous ne connaissez pas que c'est le livret. And you don't know that that's the weed. Tu vas décevoir Dieu. You will deceive God. Pas déceive. Deceive, c'est séduire. Deceive. Disappoint God. Ah, alléluia. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça que je vous appelle. Alléluia. Donc tu vois un peu ça. Tu peux décevoir Dieu. You can disappoint God. Parce que because quand il y a le mélange, when this mixture, tu ne peux pas produire 100%. You cannot produce 100%. Tu ne peux pas. You cannot. Quand il y a le mélange, when this mixture, tu insultes, you insult, you et tu bénis. And you bless. C'est pourquoi la Bible dit ceci. And that's what the Bible says. La langue ne peut pas produire. The tongue cannot produce. Les insultes, curse, et la bénédiction, and blessing. L'eau. Water. Une source d'eau source of water. Ne peut pas produire la mer, l'eau la mer et l'eau qui est douce. Water and gentle water. Ça ne peut pas faire ça. You cannot do it. Mais le problème c'est que the problem is, quand tu fais confiance à quelqu'un, when you trust someone, d'ailleurs on ne fait pas 100% confiance. Sometimes we don't even trust someone 100%. Parce que moi je peux croire que je fais bien. Because I may think that I'm doing well, I'm doing good. Moi je peux croire cela. I may think I'm doing good. Mais si c'est conforme à la parole de Dieu, but if it's up and conforming the word of God, c'est bien. It's good. Parce que moi j'ai toujours dit, I've always said, quand vous avez un problème, when you have a problem, autant que cela dépend de vous, as long as it depends on you, soyez en paix. Be in peace. Mais pour être en paix, but for you to get peace, refère-toi à la parole de Dieu. Refer yourself to the word of God. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport? What does the Bible say according to this? On m'a donné telle responsabilité. They gave me this responsibility. Je suis enfant de Dieu à l'église. I am a child of God in the church. Qu'est-ce qui est bien? What is good for qu'est-ce me? Qu'est-ce que je dois faire? What must I do that's good? Alléluia. Amen. Parfois, nous ne faisons pas ce qui est bien. Often we don't do what is good. Parce qu'il y a trop de mélange. Because it's a lot of mixture. Le mélange ne te permet pas de faire ce qui est 100%. La vie chrétienne doit être 100%. It needs to be 100%. Alléluia. Amen. Il y a des péchés qui sont collés à nous. Hein. There are things that are stuck on us. Le péché. Sin. Mais faire un effort de vivre la vie chrétienne. Make an effort to live a Christian life. Bon, je dis les péchés qui sont collés à nous. I'm stunned about these things that are stuck on us. Parfois, quand je pense à ça, sometimes when I think of it, ça fait mal. It hurts. Et vis une bonne vie. Having a good life. À cause de ce que tu ne déçois pas Dieu. In order for you to not disappoint God. Dieu peut te faire du bien. God can do good to you. Je demande par exemple. For example. Moi, cette année, j'aurai 56 ans, ok? This year, I'll be 56 years old. Je n'ai jamais caché mon âge. I've never hid my age. Je n'ai pas changé mon âge aussi. I've not changed my age either. C'est comme ça. That's my age. C'est mon âge. That's my age. Je n'ai pas augmenté. I've not added. Je n'ai pas retiré. I've not deducted. Mais maintenant. Now. Admettons que je disais for que example, j'ai 50 ans. I can say that I'm 50 years old. Le jour de ma mort, on va écrire. The day of my death, they will write my day to burn. Même là-bas dans la tombe, ça te suit. Les mensonges. Even on your tomb, on your headstones, you sin will follow you. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Do you understand what I'm speaking? Même dans la tombe. Even on your headstone. C'est-à-dire quand on vous descend dans la tombe, là, on a écrit votre âge là-bas. When they put you in the tomb, they add your age on the headstone. Ça vous a suivi là-bas? Your lines will follow you. Comment? Parce que ce sont des choses que tu ne peux plus retirer. Because those are things that you can no longer take back. Parce que si tu vas au home office, tu dis que je retire ça. Because if you go to the home office, you say I'm taking this back. Ils vont te dire qu'on change de âge. They will tell that you cannot change your age. Vous comprenez? Je peux changer mon nom. I can change my name. Sans problème aucun. Without a problem. Mais l'âge ne change pas. My age, you cannot et change. Et ça reste là comme ça. And it remains like that. Vous êtes né en 65, moi tu dis je suis né en 1960. You say, oh, I was born in 1970. Et maintenant là, on écrit là-bas. Now they write it down. Même dans la tombe, ça te suit. Even if it's in your les mensonges. On your donc tube, vous voyez les mensonges qui dessus là. See the lies that follows you. Parce qu'il y avait au départ, il y avait des mélanges. Because from the start there was mixtures. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Now what should you do? Sois tellement bon. Be so good. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. L'amour couvre une multitude de péchés. Love covers multitude of sins. Vous savez, il y a certaines choses que nous ne prêtons pas attention. You know, there are certain things that we don't pay attention to. On passe.
We just pass it. Oh non, Abraham a menti, oui. Abraham lied. Yes, he lied. Mais il a confessé. But he confessed. Toi aussi tu as menti. You also lied. Tu as confessé. You confessed. Mais cette histoire là reste. But that story stays. Dans la tombe. It will follow you to Mais your le problème c'est que. My problem is. Si tu fais ce qui est bien. If you do what is good. C'est comme le verset que la Bible dit là. The Bible says, la femme, bon, je ne suis pas contre les femmes, écoutez. I'm not against the je dis simplement pour vous donner un exemple. I'm simply giving an example. Et dit que ce n'est pas l'homme qui est tombé, mais c'est la femme qui est tombée. It's not man that's... Non, c'est pas l'homme qui est tombé, mais c'est la femme qui était tombée. It's not the woman, the man that fell, it's the woman that fell. C'est-à-dire, c'est pas l'homme, parce que normalement, c'est pas l'homme qui était tombé. Because normally it wasn't the man that fell. Parce que si l'homme refusait le fruit, because if the man refused the fruit, the man would remain. Il y aurait la mort chez les femmes. There will only be death on women. Ouais. Voilà pourquoi la Bible dit. That's what the Bible says. La femme sera sauvée. The woman will be saved. Néanmoins. Unless. En devenant mère. By becoming a mother. Comment? How? Aide le cœur. Having a heart. On ne dit pas, sois comme je ne sais pas, mais aide le cœur. But have a heart. Un cœur bon. A good heart. Un cœur bon. A good heart. Dit maman. Of a mother. Je disais à Adolphine. Pastor was saying to me. Je dis à Adolphine. I said, Adolphine. Tu vas te marier. You will get married. Et tu auras un enfant. And you'll have a child. Et quand tu auras cet enfant, and when you have that child, tu vas l'aimer plus que ton mari. You will love her more than your husband. Isn't it? Il n'est pas en train de confesser ça. C'est comme ça. Tu vois cet amour là. That love. Cet amour d'une maman envers son fils. The love my mother. Tu vois cet amour, child. Ce lien là. That bound. That. Et ce lien avec tout le monde. Have that bound and that bound with everyone. La Bible dit que la femme sera sauvée néanmoins devenant. Mais ce n'est pas. The Bible said, the woman said, unless c'est pas ça que la Bible dit. It's not the Bible saying by becoming a mother. Mais c'est pour un cœur. But to have a heart. Qu'il n'y ait pas de mélange à toi. That doesn't make sense. Traite tout le monde équally. Treat everyone equally. Fais toutes les choses. Do everything equally. Fais ce qui est bien. Do what is good. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de mélange en toi. C'est ainsi que tous les autres péchés qui sont collés à toi. Then from then, all these things that are stuck on you. Collés, comme le péché dont je viens de parler tout à l'heure. Like collés à toi. An example that is stuck on you. Dieu va dire non. God will say no. C'était une erreur humaine. It was a human error. Laisse-moi pardonner ça. Let me forgive that. Même si ça se suit dans la tombe. Even if you follow them to the tomb. Mais Dieu dit pardon. But God said he forgave. Mais le problème c'est que. The problem is. Toi tu es là. You are there. Au lieu de faire ce qui est bien. Instead of doing good. Trop de mélange en toi. A lot of mixture. Tu déçois Dieu. You disappoint God. Tu déçois Dieu. Disappoint. Dieu te donne la responsabilité. God is giving a responsibility. Aujourd'hui. Today. Fais ce qui est bien. Do what is good. Non, toi d'abord c'est toi-même. But for you, no. First of all, it's you. Toi-même. You first. Ce n'est pas Dieu. It's not God. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. It's not the work. Et d'abord, l'œuvre de Dieu et Dieu, c'est la même chose. The work of God and God are the same thing. Et d'ailleurs, tu ne peux pas servir Dieu. You cannot serve God. Quand tu, comment je peux dire ça encore? C'est on sert Dieu au travers des gens. We serve God through people. Alléluia. Amen. Quand je vois les mamans se déranger dans les matins, les papas se déranger dans les matins. Vous êtes en train de servir Dieu. I tell them you are serving c'est une God. Bonne chose de servir it's Dieu. It's a good thing manière. To serve God in this parce que way. La véritable religion, because the true religion consiste à assister les orphelins, les veuves, dans leurs afflictions. Toi, tu vois quelqu'un dans l'affliction. It's in affliction. C'est vraiment ta maison. It's simply your tu house. Tu as rempli ta maison de choses. You fill your house with a lot des greniers, of greniers, de l'eau là-bas. Tu ne partages pas. You do not share. Tu ne sers pas Dieu. You're not serving God. On ne sert pas Dieu simplement venir ici. You don't serve God by simply coming here. Je suis en train de chanter. Saying, je suis en train de prier. Praying, je suis en train de prêcher. I'm preaching. No. Il faut que ce que je suis en train de faire. What I need to do, what I'm doing. De servir l'autre. To serve que ma vie puisse impacter quelqu'un. Let my life impact someone else. Ma vie puisse impacter quelqu'un. Let my life impact et si toute ta vie impacte quelqu'un. That your life impacts je fais en sorte que. I do in order. Donc, écoute ce que l'apôtre Paul dit. This is what Paul supposed. Je fais tout à cause de l'évangile. I do everything because.
because of the gospel. Pour y avoir part. To have part. Ça veut dire quoi? What does it mean? C'est-à-dire que s'il faut même que je marche à pied que les autres prennent ma voiture. It means even if I need to walk by foot in order for others to use my car, then fine. Les autres, ça serait difficile. But for a lot of people, it'll be difficult. Amen. Amen. Moi, j'ai acheté ma voiture. I bought my car. Mais c'est ma femme qui conduit ça. But it's my wife that drives it. C'est moi qui ai acheté. It's me that bought it. Parfois, j'ai des difficultés à aller au travail. Sometimes I even have difficulties going and getting to work. Mais c'est elle qui conduit. But she's the one that drives. Alléluia. Amen. Mais ma voiture, c'est ma voiture. Maman. But the car belongs to me. Mais elle conduit. But she drives. Elle va aller laisser les gens. She has to give to people and tell them, go. Tu veux. Moi, je préfère aller à pied. I prefer que tu accompagnes les gens. Like, and for you to give lift to others. Alléluia. Amen. Je l'ai fait à plusieurs reprises. I've done it many je times. Le fais jusqu'aujourd'hui. And I do it till this day. C'est comme ça que tu peux servir Dieu. That's how you can serve God. Alléluia. Amen. 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 Troisième chose pour qu'on finisse. Third thing so we can finish. Vous savez quand moi je commence à faire, à parler là, je peux parler. Hein. Et la troisième chose que le mélange peut amener, what mixture can bring, c'est la mauvaise réputation. It's bad reputation. C'est la mauvaise réputation. It's bad reputation. Tu comprends l'entrée? Parce qu'il faut qu'on soit un peu plus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Il faut qu'on soit close. Parce que c'est bon. It's Father, so we need to be close to. Alléluia. Amen. C'est la mauvaise réputation. Bad reputation. Mauvaise réputation. A bad reputation. C'est quoi? What is that? Quand vous n'avez pas un bon témoignage. It means when you don't have a good testimony. Un bon témoignage. A good testimony. On dit que c'est vrai, pas un bon témoignage. Donc, oh, this c'est une mauvaise réputation. That's a bad reputation. Témoignage, c'est quand tu vois les choses que cette personne fait. This one is when you see things that a person is doing. C'est ça ce qu'on appelle le mauvais témoignage. That's what we call bad testimony. C'est ce qu'on appelle la mauvaise réputation. That's what we call bad reputation. Parce que si on dit aujourd'hui, today, quand tu lis dans le livre des Actes apôtres chapitre 16, if you read the book of Acts apostles chapter 16, also 16, la Bible dit ceci. The Bible says, c'était à Lystre. It was in à Lystre, ville ville. There was a town called a Lystre. Écom. Écom. Ouais. C'est son de ville. Those are towns. C'est son le nom de ville. Those are names. C'est à Lystre et à Écom. A Lystre and à Écom. Il y avait un jeune homme là-bas. There was a gentleman there. Qu'on appelait Timothée. That was called Timothy. Dont le papa était, je crois, le papa était grec et la maman était juive. Where his mother, so his dad was Greek and the mom was a Jew. Et ce jeune homme là, and that man, les gens de cette deux villes, people from those two towns, c'est-à-dire Motherwell, it means for example Motherwell, et Hamilton, in Hamilton, rendaient un bon témoignage de lui. Who gave a good testimony? Le témoignage d'une personne. A person's testimony. Pas simplement une personne. Not only a person. Non, parce qu'il est pire de toi. Il... Ah, oh, because they are close friends. Il est pire de toi. Or they are best friends. Et il m'a dit, ah, mon Dieu, il est bien, il est bien. Il va te rendre un bon témoignage de toi. They need to give a good testimony of you. Mais pour qu'un témoignage soit un témoignage, but for a testimony to be a testimony, pas une mauvaise réputation, not a bad reputation, il faut qu'une grande majorité de gens, it needs to be a great number or a majority of people. Et quand les gens disent que tu fais ça pour plaire les gens. People say you do tu ne fais pas ça pour plaire les gens. Pour avoir un bon témoignage d'abord. Pour avoir une mauvaise, une bonne réputation d'abord. Les gens disent, non, tu fais ça pour plaire les gens. Mais on sert Dieu comment? So how do we serve God? Si moi j'ai une mauvaise réputation, if I have a bad reputation, comment je peux attirer les gens vers Dieu? How can I attract people toward God? Comment les gens peuvent croire en Dieu? How can people believe in God? Comment je ne peux pas faire pour plaire à Dieu, aux hommes et à Dieu? How can I not do things to please God? Je ne fais plaire à aux hommes. Quand on parle de, je ne suis pas là pour plaire aux hommes. I'm not here to please men. C'est dans le dès que je suis en train de parler là maintenant. It's just as I'm speaking here. Car au lieu de vous parler la vérité, je vous dis. Instead of telling the truth, tu vas venir, tu vas vous guérir, vous aurez le mariage, vous aurez l'argent, le travail. Je suis en train de vous plaire, mais vous vivez dans le péché, dans la corruption, dans le mensonge. C'est ça, je suis en train de vous plaire. Mais quand je fais quelque chose, je sens dans mon cœur que mon frère n'a pas les transports, que mon frère n'a pas d'argent, et que moi j'ai l'argent, et que je prends cet argent-là pour faire. Ne me dis pas que je suis en train de plaire aux hommes.
Don't tell me that. Mais si je fais ça, qu'aucune personne ne connaît. If I say it, if I do it, I pray so no one else knows. Je plais à Dieu. I'm pleasing God. Alléluia. Ne faut pas dire que non, tu es en train de faire ça pour plaire aux hommes. Oh, oui, je ne plais pas aux hommes, mais à Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la bonne réputation. That's what we call a good reputation. Les gens peuvent rendre témoignage de toi. People can give testimony of you. Parce que la mauvaise, quand tu as une mauvaise réputation, when you have a bad reputation, mais bien aimé le Seigneur, beloved, ça te repousse. Les gens vont te repousser. People push and pull you away. Si, comment je peux pas? How can I know? Vous savez, c'était avant-hier, c'était quel jour? Il y a une maman qui est venue à la maison. A few days ago, a mother came to her house. Alors, pendant qu'elle est venue à la maison, quand je suis rentré, when I came, je me dis, ah, maman, ça va? I said, oh, hi, mom. Hein? Avec un sourire. Smiling. Et je retourne vers ma femme. And I turned and back to my wife. Il dit, ça va. I said, hi, how are you? Oui, la oui, mais les deux choses. You see the two differences. Et elle dit, hein? And she said, mais quand tu as salué l'autre maman, but when you greeted the other mother, mais you were smiling, but when you greet me. Amen. Amen. Est-ce que quoi? Why? Quand tu accueilles quelqu'un, when you are greeting someone, smile. Alléluia. Toi, tu es honnête toujours avec ça. We're always together. On est toujours ensemble. We're always together. Et mon, quand je disais ça va, when I say, tu t'appelles quelqu'un calme, sérieux, sérénité. Je sais que l'autre, ah, ça va. I said, okay. Je n'étais pas fâché. I wasn't angry. Mais quand je disais ça va, but when I say, how are you? Il y a des gens, there are people. Tu viens dans sa maison comme ça. You come into their house. Il est déjà à la porte là. They were there at the door. I'm happy with you. I would say, oh, today we have a problem. Alléluia. Amen. Quand tu es toujours la face froissée, froissée. When your face is always scrunched up or unhappy. Mais bien aimé, les gens ne peuvent pas te répondre, ne peuvent pas t'approcher. People cannot approach you. Et quand je parle de la mauvaise réputation, when I speak about bad reputation, il y a des gens qui sont réputés. There are people that have a reputation. Dans les mauvaises choses. And bad things. Et on peut citer. And we can name. Toi, on te connaît simplement. They simply know you. Que tes relations ne durent pas avec les autres. That your relationship does not last long with others. Ça peut faire, trois semaines, quatre semaines, après ça, vous pouvez bannir. It can last maybe 3 to 4 weeks, and after that, you will no longer be friends. Hey, no. No. Moi, je n'ai jamais... Écoutez bien. Listen carefully. Depuis que je suis glorifié. Since I've been Oliver. Je n'ai jamais eu à discuter avec quelqu'un. I've never been able to argue with someone outside. No. No. Et je ne peux pas faire. And I cannot do it. Depuis que je suis, je suis. Ce n'est pas parce que je veux plaire à cet homme. It's not because I want to please people. Je cherche à ce que I seek for. Je puisse avoir une bonne relation. In order for me to have a good relation. Une bonne réputation. A good reputation. Avec quelqu'un. With someone. Et tel que je suis là. And as I am. Je partout dans toutes les églises où je vais. In all the churches that I go. J'ai toujours une bonne réputation. I always have a good reputation. Pourquoi je dis cela? Why do I say this? Parce que si vous demandez à tous mes pasteurs, ils vont me rendre lettre de recommandé. Une très bonne lettre de recommandé. If you ask all my pastors, they will give you a good reference of me. Regarde. Look. Adolphine, c'est un banquier. I'm a banker. Ouais, je suis banquier. Elle travaille à la banque. I work in a bank. Si vous voulez avoir le mortgage, il faut aller chez Adolphine. Les jours de mortgage. I work in a mortgage department. Voilà. Et c'est là-bas. Si vous voulez avoir une maison, allez chez elle. Alors, elle est banquier. I'm a banker. Maintenant. Now. Si Adolphine a une mauvaise réputation dans cette banque. If I have a bad reputation in that bank. Et qu'elle va dans une autre banque. And I go to a different bank. Et vous savez que l'autre banque va toujours demander la référence à Adolphine, là où elle était. The other bank will always ask for reference from the job that came from. Et si elle avait une mauvaise réputation. And if I had a bad reputation. Qu'est-ce que la banque là va dire? What would that bank say? Non, ne prenez pas cette fille. No, do not hire that woman. Elle est comme ça. She is like this. She is like that.
Ça te gâte tout. It, ça détruit tout. It destroys all. Mais si tu avais une bonne réputation, but if you had a good reputation, c'est-à-dire que you are on time, you always bien, team worker, des choses comme ça là. Good things. Très toujours bien avec tous you're les always good with all your colleagues. Ah, on va te donner un très bon rapport. They will give you a good report. Et puis tu auras un poste très élevé. And then you have a higher position. Vous comprenez bien ça? C'est que la bonne réputation amène. That's what good reputation brings. La bonne réputation. A good reputation. Alors toi. So you. Si on me dit, décris-moi un peu, donne une lettre de recommandation à cette personne. Describe or give a letter of reference for this person. Vous voulez que nous mentions? You would like us to lie. Nous sommes des serviteurs de Dieu. We are people of God. Nous sommes des serviteurs. We are servants of God. Tu ne peux pas venir me dire. You cannot come and say to me. Il faut mentir pour moi. You need to lie for me. Je ne peux pas. I cannot do it. Je ne peux pas. I cannot. Écris-moi une lettre de référence. Write une lettre de référence. Hein? Par exemple, les gens ils disent, bon, écris. Is it to describe? Oh non, écris-moi. Write. Tu n'as jamais pris soin des enfants. Tu dis, mais qui même que je suis moniteur de l'école. You've never taken care of children, but you say, you tell me, oh, write that and take care of children in the church. La lettre va arriver là-bas. The letter will arrive there. C'est quoi? What is it? C'est le pasteur qui a menti. It's the pastor that lied. Amen. Amen. Et vous voulez que le pasteur. And you want the pastor's le travail du pasteur est très difficile. The pastor's work is difficult. Quand vous ne voulez pas qu'il mente, il devient mauvais. When you don't want them to lie, they become bad people. Et puis quand vous critiquez la vie, ah, les pasteurs sont mauvais. There, you say, oh, those pastors are bad. Mais je ne veux pas simplement mentir. I simply do not want to lie. Je ne veux pas simplement te donner l'avantage. I cannot just give an advantage. Parce que si je mentais, because if I lie, c'est que je peux dire que je suis en train de plaire à quelqu'un. I can then say I am pleasing je people. Je ne peux pas à Dieu. I'm si not je pleasing God. Refuse de mentir, if I refuse je to suis lie, en train de plaire à Dieu. I'm pleasing God. Si aujourd'hui, if today, je dis que, I say, que la chorale ne chante pas parce qu'il ne répète pas. The choir do not sing because they don't have a rehearsal. C'est parce que c'est comme ça. Because that's how it's meant to be. Mais si je dis que vous ne répétez pas. But if I tell you you are not rehearsing, chanter, you continue singing. Je regarde. And I'm simply watching. Je deviens le sacrificateur Eli. I become the high priest Eli. Vous savez, il est mort. Do you know he died? He's dead. Alléluia. Amen. Il est mort. He's dead. Parce qu'il voyait ses enfants faire des choses. Because he saw his children doing things in the church. Manger les offrandes. And taking offerings. Manger les sacrifices. Taking the. Prenez des filles à l'église. Taking women from the church. Et lui le papa était là, il voyait. And him the father was there and he was seeing these things. Il ne disait rien. He said nothing. Ce qui est arrivé. Do you know what happened? Il est mort le même jour que ses enfants. He died the same day as his children. Amen. Amen. Donc. Beloved in the Lord, nous devons comprendre ces choses. We need to understand this. Il faut avoir une bonne réputation. You need to have a good reputation. Que toutes les mamans sachent que tu es bonne. That que all the tous les papas sachent que tu es bon. All the fathers to know you are good. Présente une bonne réputation. Present a good reputation. Une bonne réputation. A good reputation. Vous savez, quand Dieu, le jour du jugement, God on the day of judgment, c'est là où on va mettre le blé ici. Where is then the wheat there, and the wheat there? Et nous enchaînons ces choses. And we're teaching you these things. Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved, pour que vous corrigez. In order for you to encourage yourself. To amend your life. Fais un amendement par rapport à ta vie. Make an amendment in your life. Parce que la mort n'avertit pas. Because death does not come with a je warning. Je vous assure, aucune personne, no one, meurt. Dead, qui est mort avec le péché, that died n'a pas part au royaume de Dieu. Will not inherit the kingdom of God. Parce qu'il y a pas ce qu'on appelle le purgatoire. There's no one we call a purgatory. Les catholiques disent, the Catholics say, quand quelqu'un meurt, when someone ils font dies, une messe de requiem. They have a mass of a messe de requiem. Je sais they pas have comment on mass. Une messe de requiem. C'est-à-dire une messe là. They have a service where they pray. Ils prient. They pray pour que cette personne-là for that person doit passer à, dans un lieu qu'on appelle le purgatoire. To, for that person to go through a place that's called a purgatory. Quand vous attendez purgatoire, c'est de purifier. It means to purify. C'est là où on purifie la personne. It's where they purify the person. Et quand vous purifiez cette personne, and when we purify that person, ils traversent maintenant vers le paradis. They now travel to the paradise. Parce que vous avez prié pour lui. Because you prayed for them. Zéro. No. Alléluia. Zéro.
C'est tes actes. Chacun de nous va répondre de ses actes. Every single one of us will answer to our Ce n'est pas quelqu'un d'autre. It's not someone Ce n'est else. Pas ton père. It's not your father. La Bible dit, the Bible says, l'âme qui pêche, the soul that sins, c'est celle qui mourra. Is that one that will die. Et la Bible dit clairement, the Bible says the dans le livre d'Ézéchiel, le fils ne portera pas les péchés de son père. The le père ne portera pas les péchés de son père. And the father will not carry the sin of the son. Maman. Mother. Papa. Father. Si ton enfant fait mal. If your child does wrong. Ne pas dire que you non. Je prends ça à mon compte. No, it's not taking it to my account. No, c'est pas à ton compte. It's not on your account. Tu vas répondre à tes œuvres. You will answer to your deeds. Il va répondre de ses actes. They will also answer to their actions. Le salut est individuel. Salvation is individual. Nous devons entraîner nos enfants. Il est vrai. We need to train our children. It's true. Mais nous ne touchons pas les cœurs de nos enfants. But we do not touch the hearts c'est of our children. C'est Dieu qui touche les cœurs de nos enfants. It's God that touches the hearts of our children. Car le salut est individuel. Because salvation is individual. Instruis un enfant c'est l'enfant qui doit suivre. Teach the child in a path. Et quand tu seras vieux, il ne va pas c'est départir. So c'est déconnecté de ça. They're not to deviate from it. Vous comprenez? Nous devons entrer. Mais les cœurs, c'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui change. It's God that changes. C'est pour cette raison. Refuser ce qui est mauvais. Vivre une mauvaise réputation. A bad reputation. C'est une mauvaise chose. It's a bad thing. Tant mieux. It's better. Avoir un maigre salaire. I have a sorted. Un maigre salaire, un salaire petit. A small wage. Voilà. Avoir un salaire maigre. It's better to have a small wage. Dans la vérité. In truth. Dans l'honnêteté. In honesty. Dans la sainteté. In que honesty. D'avoir un grand salaire. Than to have a bigger wage. Dans la corruption. In corruption. Dans les mensonges. In lies. Dans la publicité, la corruption. In sexual morality, in corruption. Il faut éviter ça. You need to avoid it. Amen. Amen. Une bonne réputation. Les mélanges amènent une mauvaise réputation. Mixture brings a bad reputation. Yeah. Yes. Bon, yeah. Bon, bon. Oh, Freddy, tu ne m'as pas arrêté. Alors, on va se tenir devant, on va prier. We're going to stand up and pray. Je suis en train de partir, le temps est passé. Et aucune personne ne me fait signe. No one gives me signe. Oh, yeah. Ah, la personne Saint-Esprit. Merci. Et heureusement que je regarde les temps. Nous allons te dire le mot. Nous allons te dire le mot. Est-ce que je prononce bien là? Ah, c'est bien. Ah, parce que. J'avais dit à Aïcha que tu es mon amour. You're going to pray based on what you heard.
Dis Seigneur, je ne veux pas de mélange. Say Lord, I don't want mixture in my life. Je ne veux pas avoir une double vie dans ma vie. I don't want to live that double life. Ma vie chrétienne est 100%. My Christian life is 100%. Je te prie, Dieu. I pray to you. Help me. Au nom de Jésus. In the name of Prions Jesus. Au nom de Jésus. Let's Nous sommes en train de prier. Prie maintenant. Tu es en train de prier. Prie maintenant. Prie, prie. Participate also take part, please. Ok.
cœur, veuillez participer. Also take part. Je remercie toutes les mamans qui sont en train de beaucoup travailler là-bas. I thank all the mothers that are working hard there. Qui sont en train d'encadrer maman Chantal. They are comforting maman Chantal. Et la nourriture n'est pas n'a jamais manqué là-bas. And they're not lacking food. Et puis le jus n'a jamais manqué. And drinks is not lacking either. Parce que les mamans ont pris soin de ça. Because the mothers are taking care of them. Et les papas ont pris des soins de ça. And the fathers are taking care of them. Et chaque jour, il y a une maman qui est là-bas à garde. Every day. Elle est des gardes. There's a mom that's keeping watch. Donc, chaque jour, il y a une maman des gardes là-bas. There's a mom that's keeping watch all morning. Qui fait en sorte que les enfants mangent. Elle prépare, elle fait tout là-bas. Et c'est vraiment une bonne chose. And it's a good thing. Les mamans, beaucoup de chapeaux. Mothers, well done. Vous êtes en train de faire un grand travail. You're doing a les great papas, job. Des chapeaux. Father is well done. Parce que vous avez acheté le jus. Et puis nous avons encore acheté pour drinks, le jour de, pour le bain de consolation. And we're also going to buy it for the burial day. Alors faisons un effort, frères. So let's make an effort, my sisters. D'assister aussi les gens là-bas à Glasgow. To support people in Glasgow. Et nous avons dit que la participation de tout un chacun était 50 euros. Each person's participation donation is £50. Donner. Si vous avez le temps de finir, vous avez été contribution. On a besoin de cet argent pour en tirer. We need that money in order for us to bury our problem. C'est une bonne chose. It's a good thing. Et il y a aussi une chose. It's also. J'ai toujours dit qu'il faut faire le funeral care plan. I say also, you always have to have a funeral care plan. Je ne dis pas ça pour. Or insurance. Pour précipiter la mort de quelqu'un, non. I'm not saying this in order to hurry your death, but you know. Je vous ai montré dans la Bible. I've shown you the Bible. Que les gens de la Bible ont fait les funeral care plan. That people had life insurance. Nous avons lu ça la semaine dernière. We read it last week. Pour vous montrer que to show you, Jacob avait a déjà acheté Jacob already bought une terre. A land. Là où on devait l'enterrer. Where he was going to be buried. On l'avait, il l'avait acheté. He already bought it. Nous avons lu ça noir sur blanc dans la Bible. We read it black and white in the Bible. Et il a dit à son fils Joseph. And he said to his son Joseph, tu ne vas pas m'enterrer ici. You will not bury me here. Je me suis acheté un grave. I've already bought myself a grave. Et puis tu vas aller m'enterrer là-bas. And you're going to bury me there. C'est ça. C'est quoi l'appel le funeral care plan. That's what we call a funeral care plan. Donc tu dois le faire. You need to do it. Le jour où le Seigneur t'appelle dans la gloire. So that one day when God calls you in glory. Hein, que ta famille ne se démange pas. For your family to not worry. Hein, puisque quand, par exemple, si c'est toi qui étais le breadwinner. For example, if you're the breadwinner in your family. Et que tu es parti. And you die. La famille va devenir, je ne sais pas comment. The family will become a problem. You will let them then start looking for money. Amen. Donc faisons un effort. Let's make an effort. Alors tous nous serons là-bas le vendredi, le jeudi et le vendredi. We'll all be there on Thursday and Friday. Pour accompagner notre frère à sa dernière demain. On his last destination. Merci, Dieu, merci beaucoup. Pour la présence. Thank you. Amen. Amen. As Pastor started the announcement, go quickly. The announcement of Motherway Branch, but I don't know the Glasgow this week. Motherway Branch, this week, Friday, we meet. We start a new topic. We meet on the Zoom, 6 o'clock, up to 7 p.m. Amen. Amen. So everyone is invited to take place on Friday. And next week, Sunday, we meet 10:30. That's the time of self-start, but the intersection in the morning at 10 o'clock. Amen. And then all the intercessors, we meet Saturday. So you are required to become 10 o'clock. Hallelujah. I mean, we are going to invite our Papa Obe. He's going to stand and pray for the offering as you are preparing the offering. Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons recommander ce moment des offrandes de l'hymne en 2007. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Si nous avons quelque chose, Seigneur, c'est au moins ta grâce et ton amour. Voilà pourquoi tu nous dis qu'il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Seigneur, tu dis que nous serons mesurés par la mesure dont nous nous sommes servis. Secoué, Seigneur, et débordé. Nous voulons recommander ce moment de main sainte. Seigneur, bénis tous ceux qui vont mettre quelque chose dans ta maisonnée. Bénis leur travail, bénis leur santé, bénis leur source, Seigneur, de revenus.
Et ceux qui n'ont pas eu quelque chose, Seigneur, ouvre les portes pour eux. Afin que demain, je trouve quelque chose qui soit béni en retour. Dans les noms puissants du Nazareth. Nous recommandons également, Seigneur, le travail pour lequel cet argent sera, pour lequel sera affecté, Seigneur. Bénis le travail, afin que ton œuvre, Seigneur, puisse aller de l'avant. Et qu'il y ait beaucoup de gens qui seront sauvés pour la gloire de ton Seigneur. Car ta volonté est écrite, Seigneur, dans 1 Timothée 4, que tout soit sauvé qui parvienne à la connaissance de la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. You can come forward with your offering and tithes. Number today, the adult was 18, the children 20. Altogether 38. Amen? Amen. So we're going to invite Pastor to bless us and close the service. Hallelujah. Amen. La semaine prochaine, le service de Madaway sera ici, dans le dimanche. Et celle de Glasgow sera à Glasgow. Ok? Le service de Glasgow sera à Glasgow. Glasgow, nous commençons à 13h. Ok? Nous commençons à 13h. Nous, les gens de Glasgow, nous serons là-bas. Même si les gens de Glasgow ne sont pas venus ici aujourd'hui. Moi, c'est moi une petite délégation. Merci d'être venu. Mais la semaine prochaine, nous serons là-bas à 13h jusqu'à 15h15. Ici, je crois que nous avons déjà fini. On a débordé même. En tout cas, excusez pour cela. Et nous allons nous tenir debout pour finir notre culte. Okay. Est-ce qu'on peut finir notre... Nous avons déjà prié aujourd'hui. On va simplement bénir le peuple de Dieu pour que nous puissions tous rentrer dans une maison respective. Nous allons nous tenir debout. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour tout ce que tu fais, oh Dieu. Merci pour ta bonté et ton amour, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ces services. Tu as été avec nous du commencement jusqu'à la fin. Seigneur, tu n'es pas avec nous lorsqu'il y a beaucoup de gens, mais tu es avec nous lorsqu'il y a peu de gens, lorsqu'il y a beaucoup de gens aussi. Et nous te rendons gloire pour la présence de tes serviteurs, la présence de ton peuple en ce lieu. Honneur, la gloire te revient. Merci pour tous ceux qui sont venus de Glasgow. Merci pour tous ceux qui sont venus de Mandarin. Et merci notre Dieu pour ton peuple qui est présent en ce lieu. La semaine que nous commençons, Seigneur, puisse être une semaine de gloire, une semaine de victoire, une semaine d'élévation. Combat à nos côtés, oh Dieu. Et accorde-nous la victoire et le succès dans tout ce que nous faisons. Seigneur, donne-nous la supériorité de langage, donne-nous la supériorité d'intelligence, la supériorité dans tout ce que nous allons faire. Oh Dieu, nous voulons vraiment que tu protèges chacun de nous. Partout où nous serons notre Père, que ce soit au travail, que ce soit à l'école,
que ce soit à l'université. Yahweh, nous voulons que tu nous donnes la supériorité. Je l'ai dit, nous serons la tête, non la queue. Seigneur, permets que nous soyons toujours la tête, au nom de Jésus. Seigneur notre Père, toute maladie, que ce soit le matin, le midi ou le soir, aille dans les lieux amis au nom de Jésus. La terreur de la journée, la terreur de la nuit, ne nous attrapera jamais dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons vraiment être dans la paume de ta main, où se trouve la sûreté et la sécurité. Nous voulons vraiment que la protection céleste, Seigneur, soit à nos côtés. Qu'aucune personne n'attrape le coronavirus, qu'aucune personne ne meure sous le sommeil, ou par crise, ou par n'importe quelle chose, ou par accident. Seigneur, nous voulons que tes anges campent autour de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Garde-nous notre Dieu, partout où nous serons. Laisse que ta présence soit effective dans nos vies. Éternel notre Père, permets que nous gagnions l'estime de tous nos managers, de tous nos collègues, de tous ceux qui travaillent avec nous, au nom de Jésus. Là où les hommes n'arrivent pas, Seigneur, permets que nous y soyons, que nous y arrivons, au nom de Jésus-Christ. Là où c'est difficile pour les autres, Seigneur, permets que cela soit facile pour nous, au nom de Jésus. Seigneur, combat toujours à nos côtés pour nous accorder l'élévation, le succès, la gloire au nom de Jésus. Permets que nous puissions toujours présenter une bonne réputation, que nous soyons, que le ménage ne soit pas dans notre vie, au nom de Jésus. Nous voulons produire des fruits dignes de la repentance, au nom de Jésus. Glorifie donc ton nom, au nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.